Let us look at this wonderful word of God. Book of Judges. Are we there? Chapter 14. I read to you from verse 5. As Samson and his friends were going down to Dima, a young lion suddenly attacked Samson near the vineyard of Dima. 6. At that moment, the Spirit of the Lord came powerfully upon him, and he ripped the lion's jaws apart with his bare hands. He did it as easily as if it were a young goat. But he didn't tell his father or mother about it. When Samson arrived in Timnah, he talked with the woman and was very pleased with her. Clap for Lord, subscribe. Acclamons pour notre Seigneur Jésus. Le livre de Juges, chapitre 14, verset 5. Et Samson descendit à Timnah avec son père et sa mère. Et ils arrivaient jusqu'aux villes de Timnah. Et voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Et l'Esprit de l'Éternel le saisit. Et il le déchira comme on déchire un chevreau, quoiqu'il n'eût rien en sa main. Et il ne déclara point à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Et il descendit et parla à la femme, et elle plut aux yeux de Samson. Amen. 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 Clap for Lord Jesus Christ. Acclamons pour notre Seigneur Jésus. Are we talking amen together? Est-ce que nous sommes amen? Say amen. Dites amen. Say amen. Dites amen. I want to give you the definition of amen today. Amen means let it be so. Je vais vous donner la définition de amen. Amen veut dire ainsi soit-il. So when I talk and you say amen, we are agreeing. Are we agreeing? Quand je parle, vous dites amen. Are we agreeing? I feel I'm not talking to the right people. Are we agreeing? Amen. Amen. That is the meaning of amen. Voilà la signification de amen. If you read chapter 13 and 14 of that very Judges, si vous lisez le chapitre 13, if you write chapter 15, jusqu'au chapitre 15, you will hear. Vous allez entendre. God wanted to liberate the Israelites from the hands of these Philistines. Dieu voulait libérer les Israélites de la main des Philistins. By a very strategic manner. D'une manière très stratégique. God made Samson to see a woman in Philistine and loved the woman. Dieu a fait en sorte que Samson voit une femme dans la Philistine et aime cette femme. So he was on his way to that woman. Et il était sur son chemin vers cette femme. An obstacle appeared. Et un obstacle est apparu. What was the obstacle? Quel était cet obstacle? A lion. Le lion. Any obstacle in front of you. I say you will tear them into pieces.
on, you have already surrendered. Your back is on the floor saying, I beg. Even you are eating me, tell my parents or my people that my cups are here. Juste en voyant les parents d'un lion, vous vous rendez et vous dites, s'il te plaît, avant de me manger, tiens les parents que mon corps est ici. I mean, just the teeth of a lion. Juste les dents du lion. Not to talk of putting your mouth in his own mouth. Putting your hand in his own mouth, in your own mouth, to tear. Pour ne pas dire mettre ta main dans sa bouche pour déchirer. The issue here is. L'histoire ici c'est. What provoked and empowered Samson to take that action? Qu'est-ce qui a provoqué et fortifié Satan pour faire ça? The spirit of the Lord came upon him so mightily. Are you having the spirit of God? La Bible en résiste que l'esprit de Dieu est venu sur lui puissamment. Est-ce que vous avez l'esprit de Dieu? Posez-vous la question. Do I have the Holy Spirit of God in me? Do you? If you have the Spirit of God, si vous avez l'Esprit de Dieu, it is time to use it. C'est le moment de l'utiliser. Are you understanding? Est-ce que vous me comprenez? There is a material in our hand that we are not using. If you have the Spirit of God, I'm talking to you. It is time to use it. Il y a un matériel dans notre main que nous n'utilisons pas. Si vous avez l'Esprit de Dieu, c'est le moment de l'utiliser. If you look at the Bible, si vous regardez dans la Bible, every man that became effective on earth yet is when he received the Spirit of God. He received power. Tout homme qui est devenu effectif sur la terre, c'est celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, il a reçu la puissance. You will ask yourself, do I have the Spirit of God? Vous allez vous poser la question, est-ce que j'ai l'Esprit de Dieu? The Lord told me when I asked specifically for, how do I know that I have the Spirit of God? Tu vas te dire, comment est-ce que je sais que j'ai l'Esprit de Dieu? This is how you know. Voici comment tu connais. If you have truly repented, si tu t'es vraiment repenti, and giving your life to Jesus Christ, and stop sinning, et tu as arrêté de péter, and Jesus come into you, comme Jésus vient en toi, to live in you, pour vivre en toi, the Spirit of God is God. L'Esprit de Dieu so, est Dieu. Jesus cannot come into you and leave his Spirit alone. Et si Jésus ne peut pas venir à toi et laisser son Esprit so en toi, Jesus came to you with the Holy Spirit. Et si Jésus est venu à toi avec le Saint-Esprit. Are you understanding? Est-ce que vous comprenez? Jesus came to you what? Jésus est venu à toi avec quoi? The Holy Spirit. Avec le Saint-Esprit. If you are a Christian or a believer without the Holy Spirit, you will go to hellfire. Si vous êtes un chrétien ou un croyant sans le Saint-Esprit, vous allez aller en enfer. I want to go somebody. Est-ce que je vous parle? Yes. Oui. If you check around you, si vous regardez autour de vous, and you are not really seeing the manifestation of the Holy Spirit around you, be careful. Oh. Et que vous ne voyez pas la manifestation du Saint-Esprit autour de vous, because faites attention. Because you read the Bible, vous lisez la Bible, in the book of Acts, dans le livre des Actes, instantanément, the Spirit of God came upon them. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Am I talking to somebody here? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? If you truly repent, you will receive the Spirit of God. Si tu t'es vraiment repenti, tu vas recevoir l'Esprit de Dieu. If you look around you, si tu regardes autour de toi, and you are not really seeing the activities of the Holy Spirit around you, be careful, you will not yet receive God. Et que tu ne vois pas les activités du Saint-Esprit autour de toi, mais attention, c'est que tu n'as pas encore reçu Dieu. Talking the scriptures and left and right does not mean you have received Jesus Christ or received the Holy Spirit. No! I was talking to some a philosopher. Déclarer les écritures autour de toi. Ne veut pas dire que tu as reçu le Saint-Esprit. He came to the church, I was sitting by there. Je parlais à un grand monsieur, il est venu à l'église et il était assis là-bas devant. I was just watching at me in the distance. Il me regardait à distance. I went to him to pray. Je suis allé à lui pour prier. As I lifted up my hand, et quand j'ai levé ma main, the Holy Ghost took him down. Le Saint-Esprit l'a renversé. I almost jumped to pray for the man who was little. Il était tellement grand de taille que j'ai failli sauter pour prier. He went down. Boom. Il est tombé. Wait a minute. Am I dreaming? What is going on with me? Attends une minute. Est-ce que je rêve de ce qui se passe avec moi? Il s'est levé. I stood down. Et j'ai encore. He went down. Il est tombé. He got up. Il s'est levé. I see you. J'ai dit, tu es libre. He went and sat calmly. Il allait s'asseoir calmement. No voice. Pas de voix. It was conviction time. C'était le moment de la conviction. He was convicted. Il était convaincu. Just up the next morning. Et le prochain matin très tôt. He came. Il est venu. Prophet, I want to see you. Prophète, je veux vous voir. I said, what is it? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? I have gone around making research. J'ai fait le tour, je faisais des recherches. I am a big level in philosophy. J'ai un grand niveau de philosophie. I've gone
down making research. J'ai fait le tour en faisant des recherches. We knew that there is something above nature. Nous savons qu'il y a quelque chose au-dessus de la nature. But we never knew it. Mais nous n'avons jamais connu cela. People were saying God, but they never knew that there is something, but they kept on knowing that there is a kind of power or something above nature, because philosophers, they deal with nature, it ends with nature. Les gens savaient qu'il y avait une puissance au-dessus de la nature, car les philosophes, ils croient en à la nature. What they see about nature is what they believe. Ce qu'ils croient par rapport à la nature, c'est ce qu'ils croient. Okay. He said, but prophet. Il dit, prophète. You talk to me about this God. Tu vas parler au moi de ce Dieu. You can look at how tall I am. You pray for me. Regarde comme grand je suis, mais tu as prié pour moi. And I saw this power of God taking me down. Et j'ai vu cette puissance de Dieu me renverser. It shows that this thing you are talking is true. Cela montre que cette chose dont tu parles. From today, à partir d'aujourd'hui, I believe that there is a living God. Je crois qu'il y a un Dieu vivant. Si on veut parler des écritures, c'est qu'on peut citer les écritures ici. Go to Bible schools, they will quote you scriptures all over the whole place. Allez dans les écoles de Bible, on va vous citer les écritures. They will tell you a lot of things about the scriptures. On va vous dire beaucoup de choses par rapport aux écritures. They are products. Mais il y a leurs produits. What they produce does not reflect the fruit of the Spirit of God. Ce qu'ils produisent ne reflète pas les fruits de l'Esprit de Dieu. Am I talking to somebody here? You shall know a man of God by the fruit that is bearing, the fruit hanging there. You will look at it, that is the fruit from heaven. Tu connaîtras un homme de Dieu par les fruits qu'il porte, les fruits qu'il hisse. Dressing well, coming to church, sitting, singing, dancing, talking, shouting. It is not the qualification about your life with God. Le fait d'être bien habillé, venir à l'église chanter et tout cela, ce n'est pas une qualification. The qualification is, are you having Jesus Christ and His Spirit inside you? This man came and spoke. La qualification c'est, est-ce que tu as Jésus et ton esprit dans toi? John spoke. C'est donc I'm saying. Il a dit. Somebody is coming. Quelqu'un vient. I baptize you with water to show that you have repented. Preparing the road. Je te baptise avec l'eau pour montrer que tu t'es repenti et je prépare le chemin. Baptism is not a ticket to heaven yet. Le baptême n'est pas un ticket pour le salut, non. Baptism is a preparation. Le baptême, c'est une préparation. What takes you to heaven is God's accordance upon your life. Ce qui te conduit dans les cieux, c'est l'accord de Dieu sur ta vie. Are you righteous with God? Est-ce que tu es juste avec Dieu? That is where the thing is. Voilà là où la chose se trouve. John said, I will give you baptism. Jean a dit, je vais vous donner le baptême. And somebody is coming. Mais quelqu'un vient. Who will give you his spirit now? Il va vous donner son esprit. He will first of all look whether as I baptize you, have you fully repented? Il va d'abord regarder comme je vous ai baptisé. Est-ce que vous vous êtes When he comes to conclusion, quand il vient à la conclusion, he will now give you his spirit. Il va maintenant vous donner son esprit. He will give you prophesy. Il va vous donner le spirit. Because when you receive the spirit of God, you are now an effective man on earth. Satan will not allow you. Satan ne va pas vous laisser. Because any man that carries the Spirit of God, parce que tout homme qui porte l'Esprit de Dieu, you have just entered effectiveness in life. Vous êtes entré dans l'effectivité de la vie. Because it is this Spirit that created and manages the earth. Parce que c'est cet Esprit qui a créé et qui gère la terre. So if you have this Spirit of God, et si vous avez cet Esprit de Dieu, there is nothing impossible on earth with you. Because all things are possible with God. Certainly, all things are possible with the Holy Spirit of God. Because only the Spirit of God knows the things of God. Now, only the Spirit of man knows the things of man. God, the Spirit of God is God. God's knowledge is in His Spirit. Only the Spirit of God knows the things of God. So God, without His Spirit, are you talking of God there? So the Spirit of God is what? The Spirit of God is. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. That is why. Voilà pourquoi. When you look at it clearly, my people. Quand on regarde clairement. God spoke to the apostles. Dieu a parlé aux apôtres.
from us from heaven. Vous avez besoin de recevoir l'esprit du ciel. That is like an identity. C'est comme une identité. Identifying you walking on earth here. Qui vous identifie vous qui marchez sur la terre. That you are of us. Que vous êtes de nous. And we are in you. Et que nous sommes en vous. And you are in us. Et que vous êtes en nous. Before you can start the representative. Avant que vous ne puissiez commencer à faire la représentation. Where? Où? Where? Où? In where? Où? Samaria. Judea. En Samarie, en Judée. Unto the end of the. Jusqu'aux extrémités de la terre. You did not hear the name of Cameroon there. Est-ce que vous n'avez pas entendu le nom du Cameroun là-bas? Samaria. Judea. Unto the end of the earth. The end of the earth is where? When you go out of Samaria, the other parts of the earth are the ends of the earth. So certainly, my country Cameroon was blessed. That's why the Holy Spirit is flowing here. Already in Cameroon. That is the good news. C'est la bonne nouvelle. Announcing annonçant the full manifestation of light in Cameroon. La pleine manifestation de la lumière au Cameroun. Am I talking to somebody here? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? A man handled a lion and tore the tail. If a lion enter that door now, si un lion entre dans cette porte maintenant, we'll know who be Christian. On va savoir qui est chrétien. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. We'll know who be Christian. On va savoir qui est chrétien. The security might be the largest, without your enemy, your highest enemy, because I'll tell them block the door. La sécurité peut être votre grand ennemi parce que je vais les dire de fermer la porte. Block the door. Ferme la porte. Show your God. Montre ton Dieu. You see, prophet, before I show my God, let that lion go first. Et tu m'as dit, prophète, avant que je montre mon Dieu, que cet lion s'en aille d'abord. After let me show my that it can kill you. Cette chose peut me tuer. Are you understanding? Est-ce que vous comprenez? We carry the lion of the tribe. Nous portons le lion de la tribu de Judas. Et si tout lion physique must obey the lion I carry. Doit obéir le lion que je porte. I am the lion of the tribe of God's people. Nothing type of Judah. Tribe of God. Je suis le lion de la tribu du peuple de Dieu. Amen. Amen. When you look at it, quand vous regardez cela, when the Spirit of God comes upon a man. Fear disappears away. La peur s'en va. Are you hearing me? Est-ce que vous m'entendez? Samson was not afraid. Samson n'avait pas peur. Well, the Bible did not tell us his state before the lion. La Bible ne nous a pas dit son état avant le lion. But after the Holy Spirit came upon him. Mais après que le Saint-Esprit soit venu sur lui, we discovered a kind of unexplicable courage. On a découvert un courage inexplicable. That came upon Samson. Qui est venu sur Samson. And he mouth. Il a déchiré la mâchoire du lion. And the lion died. Et le lion est mort. That means Samson killed lion. Cela veut dire que Samson a tué le lion. When lion the people follow like good morning. Et pourtant le lion tue les gens comme lion the kill cow like good morning. Le lion tue le bœuf. Lion kills an elephant like good morning. Le lion tue un éléphant comme bonjour. Are you learning it from me? Est-ce que vous apprenez cela de moi? You are learning it from me. Vous apprenez cela de moi? You know it before that lion kill many animals. Est-ce que vous savez que les lions tuent plusieurs animaux? Which animal does the lion compete with in the forest? Quel est l'animal avec lequel le lion est en compétition dans la forêt? He is the king of the. Il est le roi de la forêt. So when they talk of lion, no, we carry lion above all lions. Et si quand on parle de lion, nous portons un lion qui est au-dessus de tout lion. Why should you be afraid? Pourquoi avez-vous peur? Why should Samson go and grab the lion? Samson knows very well with the powers
powerful conviction that, hey, you must kill my God before you kill me. If you don't kill this God that is with me, I am moving forward, I must kill him. Satan savait que il avançait avec conviction parce qu'il savait qu'il avait un Dieu en lui. Et il s'est dit, tu dois tuer mon Dieu avant de me tuer. That is the basis of our force. Voilà la base de notre force. Before you touch me, touch this God that has sent me. Avant de me toucher, touche ce Dieu qui m'a envoyé. Est-ce que je parle avec lui? Before you touch me, touch my God first. Avant de me toucher, touche d'abord mon Dieu. Because my life is in his hands like this. Parce que ma vie est dans ses mains comme ceci. If you can know these things, si tu peux connaître ces choses, if you can take them and put them to practice, si tu peux les prendre et les mettre en pratique, that's how you'll be walking on top of life. Voilà comment tu vas marcher au-dessus de la Just vie. On top of life. Au-dessus de la vie. There's something our Lord Jesus Christ did. Il y a quelque chose que notre Seigneur Jésus a fait. The problem is people's devotion to God and loving God. That is where the problem is. It's not that you cannot behave like our Lord Jesus Christ. No. The problem here is people's attachment and devotion to serve God. Le problème ici se trouve au niveau de l'attachement et la dévotion à servir Dieu. Because our Lord Jesus Christ made it clearly to us. Notre Seigneur Jésus l'a clarifié. He is a very good God and does not change. Il est un très bon Dieu et il ne change pas. He said, il a dit, you will do these very things I did, even more. Tu vas faire ces mêmes choses que j'ai fait et même plus. So you can behave like our Lord Jesus Christ. Et si tu peux te comporter comme notre Seigneur Jésus, oui. You will do these things that I did. If you believe, you will do. If you believe, si believing is the main factor of operation. La croyance, c'est le facteur majeur de l'opération. If you believe, si tu crois, you will do these things that I have done. Tu vas faire ces choses que j'ai fait. And then even more. Et même plus. If I'm talking to some people that are implementing it, can I hear louder, man? Si je parle aux gens qui vont implémenter cela, que j'entends un grand amen. Sometimes, parfois, they just press a human being down. On presse un être humain en bas. He just be low there. Il est très bas. By occultic and funny society people. Par des gens occultes et des gens de la société bizarre. No. Non. Start emerging. That's what we start emerging. Si, avec on commence à émerger. Start emerging. Commence à émerger. It is my year of emergence. C'est mon année d'émergence. That's what is my year of emergence. C'est mon année d'émergence. The thing just begin to climb on you like that. When you remember what God has said, let them begin to talk in you so strong. That is the power of enjoying salvation. Anyway, you will be seeing more and more. And as you are seeing how God is using me, please follow. Believe God. Et quand vous voyez comment Dieu vous dit, s'il vous plaît, suivez. Believe God. Croyez en Dieu. Believe God. Croyez en Dieu. That there is no other God. Il n'y a aucun autre Dieu. There is no other power. Il n'y a aucune autre puissance. Only Jesus Christ reigns. Seul Jésus-Christ règne. In the nation of Cameroon here. You should not clap. Parfois, je ressens comme s'il ne faut pas que vous acclamiez. I still want to feel their hearts embracing this word. This is what I want the best. Je veux plutôt voir votre cœur embrasser ces paroles. If I can pick among you people, si 90% that agree this word and catch it, we are going somewhere. Déjà, qui peut me attraper cette parole et attraper cela? We are going somewhere. Nous allons quelque part. Anyway, God has told me where we are going to. Are you seeing it? En tout cas, Dieu nous a montré où. Are you seeing it? Est-ce que vous voyez cela? Are you seeing it? Est-ce que